Alors, nous abordons à présent l'héritage historique, la façon dont une histoire particulièrement agitée, particulièrement chaotique, a formé cette nation coréenne. Tout d'abord, en préambule, il faut se fixer quelques repères chronologiques simples, parce que l'histoire de la Corée est en général très mal connue, donc il faut éviter de se perdre. Le premier repère chronologique, nous l'avions déjà évoqué, c'est en 2333 avant Jésus-Christ, la fondation du premier royaume de Corée, le royaume de Joseon. Alors, lorsqu'on est aussi loin et avec une telle précision, il est bien évident qu'il s'agit de légende et non pas d'histoire. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on puisse ignorer cette légende. Repère suivant, 108 avant Jésus-Christ. Alors ici, nous sommes sortis de la légende, nous sommes dans l'histoire, c'est-à-dire des faits qui sont prouvés avec des sources, qu'elles soient archéologiques ou qu'elles soient écrites. Alors, 108 avant Jésus-Christ, c'est le début de la colonisation directe de la péninsule coréenne par la Chine, avec l'installation de ce qu'on a appelé les quatre commanderies chinoises, les quatre points d'appui qui permettaient de contrôler la péninsule. Et on peut dire que depuis cette période, la Corée vit dans l'ombre de la Chine. La Corée vit d'une certaine façon sous la protection de la Chine. Alors bon, sous la protection de la Chine, la formule est un peu rapide, mais retenons-la pour le moment. Ensuite, nous allons élargir l'échelle pour avoir un petit peu plus de place. Donc, la partie légendaire a été rejetée sur le côté, sur la gauche, et nous commençons là où, en gros, commence l'histoire. Notre repère suivant, c'est le XVIIe siècle, 1644, le moment où, en Chine, la dynastie Ming est renversée par les envahisseurs mandchous, que les Chinois et les Coréens considèrent comme des barbares. Alors, ça pose un problème à la Corée, c'est qu'elle a perdu son protecteur légitime et elle aura tendance à se refermer sur elle-même et elle va mériter à ce moment-là le nom que vont lui donner les Occidentaux, qui est le royaume ermite. Ce repli sur soi-même ne va pas réussir vraiment à la Corée, puisque en 1910, elle doit accepter son annexion par le Japon. Et cette annexion, bah, c'est l'entrée dans l'engrenage fatal qui va conduire à la division, puisque la Corée annexée, elle est libérée en 1945, mais elle est libérée par les deux vainqueurs, États-Unis et URSS, et de là va sortir la division que connaît encore la Corée aujourd'hui. Voici donc le cadre très général, et il faut ajouter quelques précisions, quelques dates supplémentaires pour la très longue période qui va de 108 avant Jésus-Christ à 1644. Tout d'abord, en 313, c'est la fin de la colonisation directe par la Chine. Les quatre commanderies chinoises ont été éliminées les unes après les autres par les royaumes coréens qui s'étaient maintenus donc sous la colonisation chinoise. Et en 313, la dernière de ces commanderies disparaît, éliminée par un royaume coréen. Repère suivant, 668, l'un des royaumes coréens. Généralement, il y en a trois. On appelle cette période la période des trois royaumes. L'un des royaumes coréens, le royaume de Silla, réussit à unifier non pas la totalité, mais l'essentiel de la péninsule. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on entre dans une période de Corée unifiée. Enfin, dernier repère, il faut retenir le règne d'un roi, Sejong le Grand, roi de 1418 à 1450, parce que c'est le plus célèbre des rois coréens. Tous les Coréens le connaissent, une sorte de mélange de Louis XIV pour la grandeur et de bon roi Henri IV pour la bienveillance à l'égard de son peuple. Et puis au-delà même du règne de Sejong, la période 15e-16e siècle représente une sorte d'apogée
hein, pour la Corée, une apogée politique, économique et culturelle. Voici donc le cadre très général. Il faudra voir à présent, donc, à l'intérieur de ce cadre, quels problèmes se sont posés au peuple coréen, quelles réponses il y a apportées et comment ces réponses ont lentement façonné la Corée telle qu'elle existe aujourd'hui. Premier point à retenir, la Corée entretient un rapport très particulier avec la Chine. Que la Corée entretienne un rapport particulier avec la Chine, c'est important, mais ça n'est pas évident à comprendre parce que ça fait appel à une conception des rapports entre les peuples qui est chinoise et qui n'est pas du tout européenne. Alors, il faut bien voir que en Asie, en Extrême-Orient, les rapports entre les peuples se sont construits sur une base bien particulière. Quelque chose qui n'existe pas chez nous et qui est une disproportion énorme entre deux poids lourds, l'Inde et la Chine, et leurs voisins. Les deux poids lourds en question, ce sont d'abord des poids lourds démographiques. Aujourd'hui, la Corée tout entière a 75 millions d'habitants, la Chine en a pratiquement 20 fois plus. Bon. Alors, il y a 1000 ans, les chiffres n'étaient pas les mêmes, mais le rapport était déjà le même. La Corée avait quelques millions d'habitants, alors que la Chine avait une population qui se comptait déjà en dizaines de millions d'habitants. Et la situation et le rapport étaient le même, si l'on parle de l'Inde, hier et aujourd'hui. D'autre part, ces deux poids lourds démographiques, Inde et Chine, sont aussi deux poids lourds culturels. C'est-à-dire que les deux ont élaboré depuis très longtemps. Je veux dire par là, c'était déjà en place plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, ont élaboré depuis très longtemps des cultures très complexes et suffisamment prestigieuses, suffisamment séduisantes pour être exportées, et elles se sont effectivement exportées. Et c'est ainsi que s'est installée en Asie, depuis très longtemps, c'était déjà en place, disons avant l'an 1000, une division entre une ère sinisée, représentée en rouge ici sur la carte, une ère sinisée qui a grandi dans l'influence culturelle de la Chine, et une ère indianisée qui a grandi dans l'influence culturelle de l'Inde. Et bien entendu, la Corée appartient à l'ère sinisée. Alors, cette situation, cette petite Corée à côté de cette immense Chine, et d'autre part, cette petite Corée qui a reçu de Chine les éléments essentiels de sa culture, eh bien, ça pousse plus à une conception hiérarchique qu'à une conception égalitaire des rapports entre les peuples. Mais attention, cette hiérarchie, elle est conçue, elle est vue essentiellement, je dirais, dans un sens familial. Ce n'est pas du tout une hiérarchie du maître à l'esclave. Ça évoque beaucoup plus le rapport du fils au père ou alors le rapport du cadet à l'aîné. Ce sont d'ailleurs des comparaisons que reprend très régulièrement le confucianisme, dont je reparlerai. Alors, cette hiérarchie, eh bien, d'une certaine façon, elle est acceptée par la Corée et on le voit bien lorsqu'on évoque les principaux aspects culturels que la Chine a transmis à la Corée. Alors, l'apport de la culture chinoise à la Corée, c'est d'abord une conception du monde, une vision du monde qui place la Chine au centre. Je rappelle que le vrai nom de la Chine, ça n'est pas Chine, un mot qui a été inventé par les Occidentaux, c'est Chongguo. Chongguo qui veut dire le pays du milieu et qu'on traduit généralement par l'empire du milieu. Alors cette vision du monde avec la Chine au centre, elle est symbolisée par un certain nombre de figures géométriques, par quelques figures géométriques qu'on retrouve partout dans l'architecture
chinoises et dans l'urbanisme, dans le plan des villes chinoises. Dans cette conception, la terre est carrée. C'est comme ça. La terre est carrée et le ciel est rond. Et le ciel est plus petit que la terre. Et la projection du ciel sur la terre désigne quoi ? Désigne, délimite l'espace qui est civilisé, c'est-à-dire l'espace qui reçoit la lumière du ciel. La lumière du ciel, c'est la civilisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace civilisé ? Eh bien, comme je le disais, au centre, il y a Chongguo, le pays du milieu, l'empire du milieu, auquel on donne aussi souvent un autre nom, les Chinois donnent un autre nom, qui est Tianxia. Tianxia qui signifie tout sous le ciel, et on le traduit en général par le seul pays sous le ciel, ou alors parfois aussi par l'empire céleste. Donc, comment est-ce que c'est organisé tout ça ? La Chine, au centre, reçoit directement la lumière de la civilisation. C'est donc le pays le plus civilisé et le seul civilisé, en tout cas, il n'y a qu'une seule civilisation qui vient du ciel. Bon. Et se trouve à la périphérie de ce cercle des pays qui reçoivent la civilisation, c'est-à-dire la lumière du ciel, par l'intermédiaire de la Chine. Et puis, à l'extérieur de ce cercle, ben, il y a l'obscurité, donc il y a les peuples barbares, les peuples qui ne reçoivent pas la lumière de la civilisation et qui sont dans les ténèbres. Alors, si on s'interroge sur la place de la Corée là-dedans, ben, on s'apercevra que la Corée est subordonnée puisqu'elle est à la périphérie, mais elle est aussi favorisée. Sa place n'est pas si mauvaise que cela. Elle reçoit la lumière de la civilisation par l'intermédiaire de la Chine. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que la Corée accepte cette vision du monde. Si nous regardons la carte ancienne qui se trouve à droite, elle est souvent reproduite dans les manuels scolaires comme exemple de la cartographie chinoise et elle symbolise la représentation traditionnelle du monde par la Chine, le carré, le cercle, etc. En réalité, il s'agit d'un atlas coréen du XVIIe siècle et il se trouve que cet atlas coréen, eh bien, il est conservé au musée Guimet à Paris. Eh bien, il reprend exactement cet atlas coréen, il reprend exactement cette image. La Chine au centre, à la périphérie, les pays qui sont sous l'influence culturelle de la Chine et puis à l'extérieur, dans les ténèbres, eh bien, les barbares. Si l'on regarde cet atlas avec une légende qui permet de repérer les choses, nous avons ici en chiffres noirs et sans cercle rouge les pays qui sont au centre. En 1, la Chine, en 2, la Corée, en 3, le Japon, en 4, l'Annam, c'est-à-dire le Vietnam, et en 5, le Champa, qui est un royaume qui a disparu. Bon. La représentation est fantaisiste, mais la disposition, elle est à peu près exacte. Hein. La Chine au centre, à l'est, la Corée et le Japon, au sud, l'Annam et le Champa. Par contre, lorsqu'on va à la périphérie, là, ce sont les chiffres qui sont entourés de rouge, alors, on place les autres peuples approximativement autour, mais ce sont des barbares. Donc, on peut les affubler de toutes sortes de noms. Nous avons en 6 le pays des gens poilus, en 8 le pays des gens à trois têtes, en 10 le pays des gens sans intestin, et en 11 le pays des femmes, étrange pays, le pays des femmes, en 12 le pays des blancs. On remarquera d'ailleurs que le pays des blancs, en 12, il se trouve au nord-ouest, à peu près dans la direction de l'Europe. Donc, ça n'est pas si faux que cela. Alors, nous sommes au XVIIe siècle. Il s'agit d'un atlas coréen et cet atlas coréen reprend complètement la vision chinoise du monde avec la Chine au centre. Deuxième apport fondamental de la culture chinoise à la Corée,
une certaine conception de la société et de la vie en général. Au centre du monde, tel que le représentent les Chinois, il y a la Chine, Chongguo, et au centre du centre, il y a celui que nous appelons l'empereur, mais ce terme d'empereur qui est latin ne convient pas du tout. Il vaut mieux se tourner vers les noms que lui donnent les Chinois et leur traduction littérale. Et parmi eux, il y en a un qui est très éloquent, c'est celui de Tianzi, qui signifie « fils du ciel ». Effectivement, le fils du ciel se trouve au centre du système. C'est par lui que la lumière du ciel descend sur la terre et il détient ce qu'on appelle le mandat du ciel. C'est-à-dire, c'est lui qui est responsable de la concordance entre l'harmonie du ciel et l'harmonie de la terre. C'est lui qui fait en sorte que l'harmonie qui existe dans le ciel, qui fait que les étoiles tournent, que le soleil et la pluie reviennent, que cette harmonie descende sur la terre. Et ce mandat, il le détient, c'est très important, il le détient pour toute la terre. C'est-à-dire que s'il y a un titre qu'il n'a jamais porté, c'est celui d'empereur de Chine. Il n'est pas l'empereur de Chine, il est le fils du ciel pour toute la terre. Alors pour exercer ce mandat du ciel, excusez-moi encore, il le fait en s'appuyant sur deux corps de doctrine qui sont le confucianisme et le bouddhisme, les deux datant du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le confucianisme, selon nos conceptions, ça serait plus qu'une religion, ça serait une philosophie ou une morale sociale, reposant à la fois sur l'idée de hiérarchie nécessaire dans la société et surtout de fonctionnement harmonieux de cette hiérarchie. Et responsable de cela, il y a, sous les ordres de du Fils du Ciel, il y a non pas un clergé, mais un corps de fonctionnaires, les lettrés, qu'on appelle aussi les mandarins, et qui sont des gens recrutés non pas sur leurs compétences techniques, mais recrutés sur des concours littéraires, sur la connaissance des textes du confucianisme. Le bouddhisme, quant à lui, davantage une religion fondée sur la notion de migration des âmes, dit plus simplement la réincarnation, et la nécessité dans cette vie de cultiver les vertus pour préparer une meilleure réincarnation dans une vie future. L'objectif final étant d'ailleurs d'échapper à la réincarnation pour que l'âme rejoigne le nirvana, mais bon, la préoccupation principale de chacun, c'est surtout la réincarnation suivante. Est-ce que ma vie présente me permettra une meilleure ou une moins bonne réincarnation? Voilà en très très gros le système. Bon. Eh bien, ce système, on peut dire que la Corée y adhère complètement. D'une part, elle a un corps de. Alors, elle a un roi qui est en dessous hein, de l'empereur, pas du Fils du Ciel, mais qui occupe la même fonction sous l'autorité du Fils du Ciel. Elle a son corps de lettrés recrutés sur concours littéraire, qu'on appelle les Yangban. On a ici, évidemment, une reconstitution actuelle de ce corps de lettrés, mais nous avons quelques, comme le système a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, nous avons quelques photos de ces lettrés que la Corée appelle des Yangban, des photos qui ont été prises à la fin du 19e siècle. Et les Coréens, les penseurs de la politique dans la Corée classique, eh bien, ils théorisent tout à fait ce partage des rôles entre le confucianisme et le bouddhisme pour guider la société. Voyons par exemple ce que dit Che Sung-ho, qui est un penseur confucéen qui s'adresse au roi de Corée au Xe siècle et qui lui dit « Le bouddhisme sert à la culture de soi, le confucianisme à la gestion du pays. La culture de soi, c'est en vue de la vie future, la gestion du pays, c'est la tâche du présent. » Donc, partage des rôles entre confucianisme et bouddhisme.
On retrouve cela aussi dans un texte littéraire célèbre que l'on peut citer parce que c'est sans doute le poème le plus connu de la littérature coréenne, et en tout cas, tous les élèves, tous les enfants coréens le connaissent, on l'apprend à l'école. C'est le chant du cœur dévoué de Chung Mong-ju. Chung Mong-ju est un lettré confucéen à la fin du XIVe siècle. Et voilà que se prépare un coup d'État contre le roi, et on lui propose de rejoindre ce coup d'État. Chung Mong-ju refuse. Il refuse par principe confucéen, c'est-à-dire par fidélité à son souverain. Ne se joignant pas à ce coup d'État qui va être sanglant, il sait qu'il va être tué. Mais il accepte cela, et avant de mourir, il écrit ce poème. Même, alors, traduction française, excusez-moi, même si je meurs et meurs encore, même si je meurs plus de 100 fois, après que mes os soient devenus poussière, que mon âme existe ou non, loyal pour toujours à mon Seigneur, mon cœur rouge ne disparaîtra jamais. Bon, c'est beau, on a l'impression que Céline Dion va entonner « My heart will go on », mais en tout cas, ça résume bien, ça montre bien, si vous voulez, ici, ce mélange de confucianisme et de bouddhisme. Le confucianisme, la fidélité au principe, la fidélité au Seigneur, le bouddhisme, l'idée de réincarnation. Même si je meurs et meurs 100 fois, et même si je ne renais pas, eh bien, mon cœur rouge ne disparaîtra jamais. Enfin, l'héritage culturel chinois, c'est un style qui concerne aussi bien l'architecture, ici un temple bouddhiste en Corée, qui concerne aussi bien l'architecture que le vêtement, que la musique, et qui imprègne totalement la culture chinoise, la culture coréenne. C'est-à-dire que l'impression que l'on a, effectivement, c'est l'impression d'être en Chine, si l'on s'en tient à ces signes extérieurs. Si l'on regarde ces photos, photos d'une rue banale ou photos d'un temple, comme on en voit partout, est-ce qu'on est en Chine ou est-ce qu'on est en Corée? C'est quand même extrêmement difficile de le dire. Si l'on regarde les photos de ces deux souverains, lequel est un empereur de Chine, lequel est un roi de Corée? Là aussi, très difficile de le dire. Pourtant, les deux costumes sont différents, hein, mais ils sont dans le même registre de style. Et regardez, la posture des personnages est exactement la même. Alors, bon, ne restons pas dans cette incertitude insupportable. Voici la réponse. Nous avons à gauche le plus célèbre des rois de Corée, Sejong le Grand, et ayant régné à la même époque, à droite, l'empereur, plus exactement donnons-lui son vrai titre, le fils du ciel, Chukyun, de la dynastie Ming. Si l'on regarde une autre photo de rue, une rue populaire, comme on en voit tant, on est en Chine ou on est en Corée? Bon. Alors là, il y a quand même un indice, c'est si l'on regarde les panneaux, il y a quelques inscriptions « mondialisation oblige » en anglais, mais les signes asiatiques, c'est de l'alphabet coréen. Donc ici, nous sommes bien en Corée. Ceci nous amène d'ailleurs directement au point suivant. La Corée a son alphabet à elle. Alors le point suivant, il s'agit de montrer que bien que la Corée ait accepté d'occuper une place à la périphérie d'un monde qui était culturellement dominé par la Chine, eh bien, la Corée n'a jamais accepté pour autant d'être absorbée par la Chine. Elle est toujours restée une nation originale, une nation indépendante et j'oserais même dire une nation dynamique. Que la Corée soit une nation originale et indépendante de la Chine, les Coréens nous racontent parfois que c'est vrai depuis les origines de la Corée. Vous vous souvenez peut-être de cette chronologie avec la fondation du premier royaume de Joseon par Tangun
en 2333 avant Jésus-Christ. Alors, il s'agit bien entendu d'une légende, mais que nous raconte cette légende? Eh bien, elle nous raconte que Tangun est né sur le mont Paktu, qui se trouve au nord de la Corée, aujourd'hui à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, et il était le fils du ciel, et d'une femme ours, une femelle ours qui s'est transformée en femme. Donc c'est lui qui a créé le premier royaume de Joseon, qui a été une œuvre extrêmement durable, puisque ce royaume a duré plus de 2000 ans, et Tangun était lui-même de santé très robuste, puisqu'il a régné pendant 1500 ans. Alors, pas besoin d'insister sur le fait qu'il s'agisse de légendes, d'autant plus qu'elles n'ont été écrites qu'à partir du XIIIe siècle après Jésus-Christ. Jusque-là, elles ont été transmises uniquement oralement. Mais ce qui intéresse l'historien, ce n'est pas tellement la légende, c'est ce que les Coréens veulent nous dire en colportant cette légende et en faisant comme si elle était vraie. Et ils veulent nous dire un certain nombre de choses extrêmement importantes. En particulier les Coréens du Nord, puisque ce sont eux. Alors attention, le mythe est aussi entretenu au Sud. Mais le Nord y participe pleinement. Et en particulier, c'est au Nord qu'a été construit ce mausolée de Tangun, à Tangun, sur le site supposé de son tombeau, supposé, puisque le plus vraisemblable, c'est que le personnage n'ait jamais existé. Et ça fait partie, donc, des choses que la Corée du Nord propose à la visite. Alors, à travers ce mythe, qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Ben, plusieurs choses très importantes. D'abord, qu'il y a un peuple coréen et que ce peuple est différent du peuple chinois. Tangun, c'est le fils du ciel. Là, le fils du ciel, on est dans la tradition chinoise. Le fils du ciel, c'est ce que nous appelons l'empereur. Tangun est son fils, mais il n'est pas né en Chine. Il est né en dehors de la Chine, sur ce mont Paktu, que les Coréens revendiquent comme uniquement coréen. Aujourd'hui, il est à la frontière, mais la Corée revendique symboliquement l'autre versant qui, pour le moment, appartient à la Chine. Deuxième affirmation, qui est très importante, ce que nous dit le mythe, c'est qu'il n'y a qu'un seul peuple coréen, puisque Tangun est le père de tous les Coréens. Et là, le Nord et le Sud participent à égalité à ce mythe. En septembre 2018, les présidents des deux Corées se sont rencontrés, et symboliquement, ils se sont rencontrés sur le mont Paktu pour affirmer donc cette unité du peuple coréen. Troisième affirmation, la Corée est née sur le mont Paktu, mais lorsqu'elle est née, elle s'étendait aussi bien au sud qu'au nord du mont Paktu, au-delà du fleuve Yalu, donc sur des terres qui aujourd'hui ne sont pas coréennes, mais sont chinoises. Donc il y a là des terres que pourrait éventuellement revendiquer la Corée. Et en tout cas, sur ces terres au nord du Yalu, vit aujourd'hui une population assez importante qui parle le coréen, que vous avez en bleu clair sur cette carte. Et enfin, quatrième affirmation, véhiculée par le mythe de Tangun, c'est que de la même façon qu'il y a un rapport de filiation entre le Fils du Ciel et Tangun, eh bien, il y a un rapport, une relation de filiation entre la Chine et la Corée. Nous avons là les deux souverains que je vous avais présentés tout à l'heure. Il y en a un qui est le fils du ciel et l'autre, le roi de Corée, qui se trouve en quelque sorte dans sa mouvance, au moins dans sa mouvance, sur le plan culturel. Mais il y a une relation de filiation entre les deux. Au tournant du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, plus précisément en 108 avant Jésus-Christ, on sort de la légende pour entrer dans l'histoire avec l'installation d'une domination chinoise sur le nord de la péninsule coréenne et puis aussi l'apparition de sources écrites chinoises.
Alors, cette domination chinoise, c'est sous la forme de ce qu'on a appelé les quatre commanderies, qui sont des villes fortifiées, capables de contrôler l'économie et de faire payer le tribut. Ces quatre commanderies chinoises, elles ne contrôlent pas toute la péninsule, mais seulement le nord. Et alors, ironiquement, à peu près jusqu'au 38e parallèle, qui a été la ligne de partage au 20e siècle entre les deux Corées. Mais attention, cette domination chinoise ne fait pas disparaître, n'avale pas la Corée, elle ne fait pas disparaître les États coréens qui vont réapparaître très très vite. Il y en a plusieurs, il y en a trois, il y en a quatre. La plupart du temps, il y en a trois. C'est pour cela qu'on appelle cette période la période des trois royaumes, qui vont exister parallèlement aux commanderies chinoises et qui vont finir par éliminer les commanderies chinoises. C'est en 313 que la dernière commanderie, la plus importante, celle de Lelang, qui était à peu près à l'emplacement du Pyongyang actuel, eh bien, cette commanderie est éliminée par le royaume coréen de Koguryeo. Donc, ils se sont battus contre la Chine et ils vont se battre à d'autres occasions. Globalement, on doit retenir aussi que la Corée est un pays qui a une très forte tradition militaire. Nous avons aujourd'hui, d'ici, la reconstitution de soldats, d'archers du XVIe siècle, qui était un moment important dans l'histoire de la Corée. Et également, ici, une reproduction, alors d'une innovation tout à fait intéressante dans le domaine de la marine de guerre. C'est le premier cuirassé de l'histoire. C'est un bateau qu'on appelait un bateau tortue, donc un navire cuirassé, qui a affronté la flotte coréenne et qui a permis de vaincre la flotte coréenne. Qu'est-ce que je raconte? La flotte japonaise. Bon. Cette victoire a été remportée par l'amiral Yi Sun-shin, qui est l'un des plus, sans doute, le plus grand héros militaire de la Corée, qu'on appelle parfois le Nelson coréen, et nous avons aujourd'hui sa statue, alors qui trône un peu partout, mais qui trône tout particulièrement au centre de Séoul. En 2014, les Coréens ont réalisé un film, L'Amiral, avec l'histoire de cette victoire. Et les Coréens sont très friands de ce genre de film, puisque celui-ci a fait 17 millions d'entrées en 14 semaines, ce qui est un succès absolument phénoménal. Cette Corée qui se bat pour son indépendance, elle a aussi un très très fort antagonisme avec le Japon. Le Japon intervient dans les affaires coréennes à peu près depuis le 5e siècle. Face au Japon, très souvent d'ailleurs, la Corée est aidée par la Chine. Mais la Corée elle-même s'est battue contre la Chine et ça a laissé un certain nombre de mauvais souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance historique et atavique, je dirais, des Coréens vis-à-vis du Japon. Ici, nous avons un monument qui se trouve au Japon, à côté de Kyoto. Il s'appelle le Mimizuka, c'est la butte aux oreilles. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, à l'occasion de campagne militaire qui s'est déroulée au XVIe siècle, les soldats japonais avaient rapporté les oreilles et les nez coupés de 38 000 Coréens. Et ce sont ces oreilles et ces nez qui forment ici cette colline avec au-dessus ce monument. Le monument existe toujours. Autre souvenir exécrable pour la Corée et entretenu jusqu'à aujourd'hui, c'est celui des femmes de confort de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des femmes coréennes qui ont été contraintes à la prostitution pour l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons ici une statue qui a été érigée à Séoul en hommage à ces femmes et elle se trouve face à l'ambassade du Japon. Il y en a d'autres. Celle-ci se trouve à l'université de Séoul, avec en bas cette plaque en trois langues, en coréen, pas en japonais, hein, mais en coréen, en chinois, en caractère chinois, et puis en anglais, que touristes puissent la lire, et qui nous dit que ce mémorial est dédié par un étudiant au souvenir des victimes de l'esclavage sexuel au profit de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale.
ce genre de choses empoisonne parfois les relations d'ailleurs entre la Corée et le Japon. Indépendance aussi, originalité, créativité de la Corée sur le plan culturel. Qu'elle soit dans la mouvance culturelle de la Chine ne veut pas dire qu'elle se contente d'imiter, de reproduire la culture chinoise. Ici, nous avons une statue qui est célèbre, qui est le trésor le plus précieux du musée de Séoul, qui est un Bouddha en méditation, un bronze qui date du VIe siècle, qui a souvent été comparé au penseur de Rodin, avec un style original qui ensuite, d'ailleurs, a influencé le Japon. Il y a aussi un rayonnement culturel de la Corée. Autre chose dont s'enorgueillissent les Coréens, c'est de chez eux, et pas d'Allemagne, que vient le premier livre imprimé. 70 ans avant la Bible de Gutenberg, ce recueil de préceptes bouddhiques a été imprimé avec des caractères mobiles que vous avez ici à droite de l'écran, a été imprimé en Corée et a servi donc à l'impression de ce livre qui d'ailleurs, curieusement, se trouve aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France parce qu'il a été acheté par un diplomate français à la fin du 19e siècle. Cette Corée indépendante et créative connaît une sorte d'apogée au 15e, 16e siècle, en particulier sous le règne de Sejong le Grand. Alors, c'est une période relativement pacifique, il y a peu de guerres, il n'y a pas de défaites. C'est à cette époque que la Corée atteint sa limite nord, le fleuve Yalu, limite, frontière qui ne bougera plus par la suite. Et c'est également sous le règne de Sejong qui a adopté alors une réforme fondamentale qui est la création d'un alphabet coréen, le Hangul, qui présente deux avantages. D'abord, il se démarque de l'alphabet chinois. Bon. Et d'autre part, il est beaucoup plus simple que l'alphabet chinois, puisque l'alphabet chinois, ce sont des idéogrammes qui représentent des sens et non pas des sons, et il y a des milliers de caractères. Alors que l'alphabet coréen, le nouvel alphabet coréen, c'est un alphabet phonétique, comme le nôtre, avec des signes qui représentent des sons, et il y a seulement une quarantaine de caractères, consonnes et voyelles. Donc, c'est beaucoup plus simple. Alors, faut pas exagérer les conséquences, puisque c'est seulement au XXe siècle que cet alphabet va se généraliser et donc va favoriser l'alphabétisation. Mais symboliquement, c'est très important que la Corée, qui a conservé sa langue propre, se donne aussi un alphabet propre à ce moment-là. Ce XVe, XVIe siècle, c'est aussi le moment où se perfectionne l'administration, la gestion de l'État en Corée, en s'appuyant sur les principes confucéens, mais sur une espèce de renaissance du confucianisme, ce qu'on a appelé le néo-confucianisme. Or, ce néo-confucianisme, il repose sur la réflexion de penseurs coréens et non pas chinois. À ce propos, concernant cette époque en général et puis le souvenir qu'elle a laissé, il est intéressant de remarquer quels sont les personnages que la Corée du Sud, a choisi de mettre à l'honneur en les faisant figurer sur ses billets de banque. Eh bien, nous avons, comme je l'avais déjà indiqué, le roi Sejong le Grand, mais pour les autres, nous avons des philosophes confucéens du XVIe siècle et nous avons une femme poète du XVIe siècle. Donc, c'est un bel hommage qui est rendu à ce beau siècle coréen. La troisième question à laquelle a dû répondre la Corée, trouver sa place parmi les nations, c'est une question qui s'est posée à tous les peuples. Quelle place est-ce qu'on occupe par rapport aux voisins? Quel rôle est-ce qu'on entend jouer par rapport à ses voisins? Et à ces questions, eh bien, la Corée a pu apporter des réponses assez simples. Tant qu'elle a été intégrée au système global chinois et que ce système fonctionnait bien.
Ce système, c'est celui qu'elle avait représenté elle-même dans cet atlas, avec une Chine qui se trouvait au centre, qui représentait la civilisation, et une Corée qui, avec d'autres, était à la périphérie, était fidèle à l'Empire du Milieu et bénéficiait de la protection de l'Empire du Milieu. Ce qui veut dire que pendant des siècles, le sort de la Corée a été étroitement lié à celui de la Chine, pour le meilleur et pour le pire. Alors le pire, c'est par exemple lorsque la Chine a été submergée par la conquête mongole au XIIIe et au XIVe siècle, la Corée, elle aussi, a été submergée. Et la Corée a servi de base de départ à la tentative mongole d'envahir le Japon à deux reprises au XIIIe siècle, tentative vaine d'ailleurs. Et lorsque la défaite mongole a abandonné la mer aux Japonais, eh bien les pirates japonais ont écumé les côtes chinoises et les côtes coréennes. Et donc, Chinois et Coréens ont lutté ensemble contre les pirates japonais. Lorsque, à la fin du XVIe siècle, le Japon tente de mettre la main sur la Corée, les Coréens résistent victorieusement d'ailleurs. Cette guerre, on l'appelait la guerre de l'année du dragon, parce qu'elle commence en 1592, qui est l'année du dragon dans le calendrier traditionnel chinois. Donc les Coréens résistent victorieusement, mais ils résistent avec l'aide militaire de la Chine. La première fois que les armées chinoises franchissent le Yalu pour aider les Coréens contre une invasion, ça n'est pas en 1950, c'est en 1592. Et c'est au cours de cette guerre, donc de l'année du dragon, que l'amiral Yi Sun-shin va remporter donc les grandes victoires qui vont faire de lui le Nelson coréen. On peut ajouter aussi qu'au cours de, négociations qui ont eu lieu pendant cette guerre, eh bien, les Japonais ont proposé, le Japon a proposé aux Chinois de partager la Corée en deux zones d'influence, nord pour la Chine, sud pour le Japon. Donc, une fois de plus, cette idée du partage de la Corée apparaissait dans l'histoire. Finalement, la Corée s'en tire et le Japon doit renoncer. Autre chose, enfin, que l'on peut préciser qui est important, c'est qu'au cours de cette guerre sont apparus, et ce n'était pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois non plus, ce qu'on appelle en Corée les armées vertueuses. Alors ici, une photographie qui évidemment ne date pas de 1592, mais des années 1900. Et puis les armées vertueuses, on en avait déjà vu se lever par exemple au moment de la conquête mongole. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de troupes irrégulières, de troupes de partisans, en quelque sorte, composées de paysans ou de soldats déserteurs, et qui vont lutter contre l'envahisseur lorsque les armées régulières n'y suffisent pas. Et puis aussi, par la même occasion, on va lutter contre les ennemis de classe, par exemple, les grands propriétaires fonciers. Donc, il y a là une habitude de la lutte populaire, de la guerre de partisans, et aussi de la lutte sociale, hein, qui constitue le terreau sur lequel plus tard va se former le mouvement révolutionnaire coréen. Alors, ce système international auquel la Corée était habituée, ce système, il disparaît lorsque la Chine n'est plus capable de jouer son rôle, c'est-à-dire n'est plus capable d'être à la fois le phare de la civilisation et le protecteur. Alors, pour nous, il est clair que la Chine a été déchue de son rôle lorsqu'elle est tombée sous la domination des puissances étrangères. En gros, la situation dans laquelle elle était en 1914. Mais en fait, la Chine a commencé à être déchue auparavant, au milieu du XVIIe siècle, lorsque la dynastie Ming a été renversée, et que la Chine a été conquise par les Mandchous. Or, aussi bien les Chinois que les Coréens considèrent les Mandchous comme des barbares,
Et alors, ils se posent à eux des questions redoutables. Si on se place du point de vue des Coréens, en gros, le monde auquel ils étaient habitués s'écroule. Et bon, comment on fait? Est-ce qu'on peut vivre, est-ce que la Corée peut vivre sans protecteur? Ou est-ce que la Corée peut accepter comme protecteur un souverain qui est un souverain barbare? Eh bien, la réponse n'est pas du tout évidente, et c'est ce grave problème qui est évoqué dans ce film qui s'appelle The Fortress, qui est récent, hein, il date de 2017. Première chose intéressante à noter, c'est que ce film, qui est passé totalement inaperçu chez nous, a eu un énorme succès en Corée, plus de 5 millions d'entrées. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des beaux costumes et des belles batailles, mais parce que ça pose des questions qui sont pour les Coréens de vraies questions. Alors on voit sur l'affiche du film, en petit, là au centre, celui qui est le roi de Corée, complètement à gauche, avec un costume blanc, le Coréen qui a accepté de passer du côté des Mandchous et de servir d'interprète aux Mandchous. Et puis au-dessus, les deux personnages principaux, ce sont les deux ministres qui proposent deux voies différentes. Alors, quel est le problème? La situation, le problème se pose de la façon suivante. La Chine, l'empire des Ming est très affaibli. Les Qing, c'est la dynastie qui règne en Mandchourie, hein, sont de plus en plus menaçants. Ils veulent s'emparer de la Chine, mais ils veulent aussi soumettre la Corée. Et en 1636, ils envahissent la Corée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Débat à la cour entre donc ces gens qui sont les lettrés confucéens, qui sont prosternés devant le roi, mais qui donnent leur avis. Alors, il y a le ministre qui dit « pas question de céder aux Mandchous. Plutôt mourir que m'agenouiller devant les barbares. » Alors là, le dialogue, j'invente rien, hein, ce sont les sous-titres du film en version originale. Plutôt mourir que m'agenouiller devant les barbares. Et puis, il y a l'autre ministre qui pense que on n'a pas le choix. Hein. L'ancien monde s'écroule et donc on est obligé de négocier. Donc, lui va voir les Mandchous. Là, il est reçu par l'interprète, alors qui est donc ce Coréen qui est passé du côté des Mandchous, et il essaye de l'amadouer. Il essaye de l'amadouer en lui disant la chose suivante, Joseon, Joseon c'est Joseon, Joseon c'est-à-dire la Corée, Joseon est frère d'armes des Qing. Les Qing c'est la dynastie Mandchou. Donc la Corée, les Coréens sont frères d'armes des Mandchous. Il les reconnaît comme frères d'armes. Mais attention, le frère, ça n'est pas le père. C'est la raison pour laquelle il ajoute tout de suite, mais nous sommes sous la tutelle des Ming. Les Ming, c'est donc la dynastie légitime qui règne à Pékin. Nous sommes sous la tutelle des Ming. Le frère aîné n'a-t-il la générosité de comprendre le sort de son cadet? C'est-à-dire, je veux bien accepter d'être votre frère cadet, mais attention, ne me demandez pas de renoncer à la tutelle des Ming. Alors, ça ne va pas marcher. Hein, les Mandchous ont exigé que l'on passe effectivement sous la tutelle des Mandchous. Le roi de Corée sera obligé de se soumettre. Et le ministre qui prônait la résistance, qu'on a vu dans la première image, ben, il va être logique avec lui-même et il va se suicider. Alors donc, les Mandchous, après avoir vaincu à deux reprises, 1627 et 1636, la Corée, s'empare de Pékin en 1644 et installe donc cette dynastie Qing qui va régner sur la Chine jusqu'en 1911. Bon. Donc, formellement, la Corée est obligée d'accepter la tutelle de la dynastie Mandchou. Mais au fond d'elle-même, elle ne s'y résigne pas. Et donc, on se referme sur soi, et ça va être la réaction principale. On se referme sur soi, on fait comme si finalement la civilisation s'était réfugiée en Corée. Et on va éviter le maximum le contact avec les autres, et y compris avec la Chine. Et l'on va devenir ce que les Occidentaux, le terme ne vient pas des Coréens, mais les Occidentaux ont appelé ça le royaume ermite, parce qu'ils refusaient tout contact
avec l'étranger, enfin le plus possible les contacts avec l'étranger. Et ce royaume ermite, eh bien, il va hésiter entre la fermeture complète, le repli conservateur, ou alors chercher à travers une politique audacieuse le secret de la modernisation, le secret du salut, hein, indépendamment de la tutelle chinoise. Alors nous avons là à gauche l'un des lettrés Tassan, c'est le nom qu'on lui donnait, l'un des lettrés réformateurs au XIXe siècle, qui propose donc de chercher dans de nouveau un renouveau du confucianisme, une espèce de renaissance pour la Corée. Et puis à droite, on a, alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une messe dans le centre de Séoul, donnée en 2014 par le pape François. Alors, ça nous indique une chose qui est très particulière à la Corée, c'est le succès qu'a eu le christianisme. Vous voyez qu'il y a du monde pour la messe. Bon. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de cette recherche du XIXe siècle. Lorsque on cherche le secret de la modernité, on va aussi se tourner vers l'Occident, et il y a les religions de l'Occident. Alors après tout, pourquoi pas, hein ? Et donc, le christianisme, il y aura des persécutions, mais le christianisme aura un certain succès parce qu'il est assimilé à cette recette de la modernisation. Bon. D'où, alors aujourd'hui, alors les chrétiens exagèrent un peu. En Corée, ils disent qu'ils sont majoritaires, ce n'est pas vrai. En gros, vous avez à peu près un quart de la population qui se réclame du christianisme, un quart de la population aujourd'hui qui se réclame du bouddhisme, et à peu près la moitié de la population qui déclare n'avoir aucune religion. Un mot sur la photo encore. Nous sommes ici en plein centre de Séoul, sur l'avenue Sejong. Donc à l'arrière-plan, vous avez le palais royal reconstruit, sur lequel on a mis une croix en l'honneur du pape. Vous avez la foule importante, manifestement. Hein. Et puis vous avez la statue de qui ? Ben, de Sejong le Grand, qui est ici. Et puis un petit peu plus loin, sur la même avenue Sejong, eh bien, il y a la statue de l'amiral Yi Sun-shin. Nous allons à présent passer à notre troisième partie sur la division de la Corée. Vous pouvez la trouver sur un troisième film, directement sur YouTube, sous le titre « Comprendre la Corée, troisième partie ». Ou alors à partir de la page d'accueil du site de l'Université Interage, www.uia95.com.